Mwen bon, salo zomim, se se pou mwen yon plezir, pou mwen seman vek ou, jodi a ki se mandi 4 juye, pou nou pou suiv avèk etude ekol du sabat, nab gen pou nou fè tout ou kout semen nan. Mwen ap rappele ou, semen sa, nab developè ansam, etude numèro 2, etem nan se le gran plan divin kristosantrik. Men kanda jodi a, nou wè lè ansam. Mèm tem sa a, le gran plan divin kristosantri ki se tem etutu men nan esye li nan bwen tou pou nou wè nan karda etud nou pou jodi a. Ben avon mèm ki nou antre nan devlopman etud lan, an nou kouye. Papan nou ki nan siel la, nou remensi yo pou tan de bienfè ki ou par jom se span yuze anver nou men. Mersi pou tout sor fè nan la vi nou e pou sa ankor konti realize nan vi nou. Tanti ke jodi a, nou vini ankor pou nou anpoufondi konen sos nou anpoufondi parolou, nan pandou ba nou esprit kler voyon. On ouvert, on va comprendre et puis mettre les paroles en application. Béni nous sauve nous. Maintenant, Jésus nous prions. Amen. Oui. Alors, je vous amis pour la qualité effort et vous-même vous consentir jour après jour pour pouvoir étudier et jour après jour la parole de Dieu à travers le guide d'études de l'école du sabbat. Mais toujours, chaque fois que vous étudier, plaisir pam c'est toujours encourager ou partager étudiez avec vous pour faciliter plus de monde pour à étudier école du sabbat. Si oui. vous ne pas vous abonner, vous pouvez faire ça. Encourager l'autre monde, fait même bien ensemble avec vous. Et comme nous connaissons, étudions maintenant c'est numéro 2, le grand plan divin, Christocentrique, verset à mémoriser. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, de la lune céleste en Christ. Ephésiens, chapitre 1, verset 3, qui est ce texte pour nous capables de mémoriser études semaine ça jeudi ce mardi 4 juillet le grand plan divin christocentrique c'est thème ça que nous pourrons développer ensemble nous parlons de qui plan que bon dieu le gain, et plan bon dieu qui hein, est sous jésus nous parlons ensemble de textes, c'est apocalypse 14 verset 14 et puis apocalypse 1 et acte plutôt premier verset 9 à 11 nous parlons de qui est similitude que nous découvrir en dents de texte Là, de similitudes, c'est-à-dire qui est point commun, qui est ça qui semblait, qui est ça qui vient de points de ressemblance que nous gêne en dents de texario. Apocalypse 14, verset 14. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était ainsi quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Actes 1 verset 9 à 11. Après avoir dit, dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient et il y eut le dos au bas à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé. Au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel et bien nous capables à travers ça Paul utiliser trois étiquettes trois étiquettes pour capable parler de plein bon dieu probablement lui parler de le mystère de sa volonté deuxièmement lui parler de le dessein et troisièmement il parlait d'un plan à mettre à l'exécution lorsque les temps seraient accomplis. Eh bien, qui plan bon Dieu lui-même, qui plan final? Ou bien, qui dernier plan qui bon Dieu lui-même, les gagne? Eh bien, dernier plan bon Dieu lui-même, les gagne, c'est réunir toutes choses en Christ, c'est réunir toutes bagailles en Jésus-Christ. Eh bien, le thème que Paul utilisait pour être capable décrire le plan, lui Pitorex. E li pale de yon tem grek ki se ana ke fa la yo sa z ta i ki vle di dirije ou rezume tout bagay nan kris e ben, den la pratik de la kontabilite ansyen kan yap adisyone yon kolon de chif e ben, yo plase total la an ho je di a lo ap fon kalkul lo gen yon ansanp dadisyon ki wap fe Et eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Résultat, ils ont mis là en bas. Mais dans la comptabilité ancienne, eh c'était en haut qu'ils ont mis Et bien, Jésus, ils diriger le plan eschatologique final de Dieu. Plan ça qui centré sur Jésus, qui était élaboré avant même fondation, monde là. Et y un plan qui est si vaste qu'il y englobé tout le temps. Et eh bien, lorsque... Lorsque le temps serait accompli. C'est-à-dire, toute bagaille, ça qui est dans le ciel, là, ça qui est sous la terre, eh bien, yo tout, et eh bien, plein bon Dieu, c'est pour, eh pour que toute bagaille, ça, il est centré sous Jésus. Eh bien, Paul annoncé l'unité en Christ comme grand but divin de l'univers. C'est-à-dire, grand, plein bon Dieu, gain. But bon Dieu, c'est réunir, eh bien, tout bagaille en Jésus-Christ en discutant du plan que Dieu mettra à, exéc à exécution lorsque est temps serait accompli Paul partageait thème qu'il li même libre développé développer à travers qu'elle était écrit pour Éphésiens Bon Dieu commence plan et eh bien plan d'unité ça plan pour unifier toute bagaille là il li commence lit avec il commençait pendant qu'il basait sur la mort, sur la résurrection, sur l'ascension et l'exaltation de Jésus-Christ. Bon Dieu commençait plein ça, plein qui s'est unifié tout le en Jésus. Il commençait pendant qu'il basait sur la mort, sur la résurrection, sur l'ascension et puis l'exaltation de Jésus-Christ. Eh bien, il fondait l'église Léa et il unifier les éléments disparates de l'humanité. Qui est juif, qui que pas juif, et bien tout Ontario, bon Dieu, réunit tout à travers Jésus-Christ. De, de cette façon, l'Église signale aux puissances maléfiques que plein bon Dieu a en cours, et que tout ça qui te rend l'homme divisé, bon Dieu vient pour le mettre fin la donne. Même Jean Bible même dit, dans Apocalypse 12, verset 12 ans, car le diable est descendu vers vous animé avec une grande colère qui qui bien la dernière moitié de la lettre de Paul, il commençait par un appel passionné à l'unité. Après ça dans Éphésiens 4 verset 1 à 16. Et il poursuit par une longue exhortation pour pour nous éviter, c'est ça Paul dit ça pour nous éviter tout comportement qui est capable d'endommager l'unité. Et au lieu de cela, au lieu que nous diviser, au lieu que nous afficher des comportements qui sont capables endommager l'unité, mais les députés, c'est pour nous construire la solidarité avec l'autre croyant. Paul conclut par l'image exaltante de l'Église en tant qu'armée unifiée, participant avec vigueur à la paix au nom de Christ. C'est-à-dire, nous plein bon Dieu, c'est réunir toute le en Jésus. C'est-à-dire, tout ça qui rend nous divisés, aujourd'hui, Bon Dieu, yon, tant il y a temps qu'il fixé pour que soit capable de réunir nous toutes OK? Bon, le dit, nous dit réunir nous tous. Tout monde qui est d'accord pour marcher dans la volonté de bon Dieu. C'est plein bon Dieu, ça. Pour réunir toute le en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je dis, nous parlons de l'argent et eh bien qu'il a pour diviser nous pas de qu'il a pour détruire qui pour craser mais nous devons argent d'unité c'est ça nous doyons pas de, de là pour nous craser pour nous briser pour nous diviser mais en tant que chrétien en tant que serviteur en tant que serviteur de bon Dieu nous devons argent d'unité réflexion que nous avons pour journée qui dit comment pouvez-vous reconnaître et célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ. Comment vous Comment pouvez-vous reconnaître et célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ Eh bien, rappelez-nous. Aujourd'hui, nous pour ensemble le grand plan divin christocentrique, et ben nous, un plein bon Dieu, le grand plan qui est bon Dieu, c'est établir l'unité en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous-mêmes qui divisons aujourd'hui. plein bon Dieu, c'est pour le rendre nous unis à travers Jésus-Christ. Mais pour le faire ça, il est basé sur la mort, sur la résurrection, sur l'ascension et l'exaltation de Jésus-Christ. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, merci pour la parole. Mersi pou konsey salute ke ouve pou nou joudia. Ede nou ou di pou ke nou payon anjan ki pou mette divizyon men nou kapap yon anjan ki pou la pou mette l'unite. Fe grase, beli nou sove nou, nanon Jezi nou priyo. Amen, deja mse to. Bon etida, bon jouni, e a la pou chen.